Amis jardiniers, bonjour et bienvenue au potager qui dit non. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour vous parler paillage. Après l'amendement calcique qu'on a réalisé dernièrement, eh bien, il était temps de poser un peu notre foin sur nos parcelles, hein, selon le plan initialement prévu. Alors des paillages, des solutions en termes de paillage, il y en a de nombreuses, hein. Là c'est du foin. Ça pourrait être de la paille, des tontes de gazon, divers déchets organiques, généralement issus de l'industrie, hein, ce sont souvent des déchets de l'industrie, la paille de lin par exemple, ou l'écorce de pin pour ne citer que ça, pour les paillages organiques, il y a également des paillages ensuite plastiques, et également des solutions plus minérales, bon, qui sont généralement quand même réservées aux cultures ornementales on va dire. Alors les intérêts du paillage sont multiples, hein, vous le savez déjà, je pense, je vais les rappeler rapidement. Principalement quand même, l'idée c'est de maintenir une bonne humidité, hein, là en dessous, au niveau du sol, et de favoriser un petit peu voilà, le maintien de cette humidité sous cette couverture, et également, évidemment, si on le peut, de minimiser au maximum nos interventions en termes de désherbage, hein, tout simplement, hein, voilà. Moins on aura désherbé quand même, mieux ça sera. Alors si j'ai retenu le foin pour pailler et pas un autre matériau, c'est un peu, sous l'influence d'un autre youtubeur, appelons-le comme ça, DJ Amstetter, j'espère ne pas écorcher son nom, si c'est le cas je m'en excuse, DJ Amstetter donc qui est un jardinier alsacien et qui fait une parfaite démonstration, disons, de cette méthode-là dans ses films, sur sa chaîne que vous trouverez facilement sur YouTube, qui s'appelle Le Potager du Paresseux. Voilà. Donc, ce foin, effectivement, il en a fait la démonstration, DJ, présente bien des avantages par rapport à d'autres matériaux. Notamment, c'est le rapport carbone-azote qui est vraiment excellent dans ce produit-là, contrairement à d'autres produits comme la tonte de pelouse, par exemple, ou des produits très très azotés, ou à l'inverse, la paille, qui est un produit plutôt carboné. Là, on va avoir le rapport idéal entre le carbone et l'azote lors de la décomposition de ce produit. Ce paillage va également nous apporter un petit différentiel thermique quand même entre le sol nu et puis le sol couvert sous cet épais matelas, ce qui va favoriser un petit peu la vie quand même microbienne durant l'hiver. Et ce foin contient également de la lignine, ce qui va intéresser en particulier les champignons de notre sol, qui sont quand même un élément clé, hein, disons, de la voilà, de toute cette vie, hein, qu'on souhaite un petit peu encourager dans notre terrain, quoi. Alors ces champignons sont extrêmement importants, hein, ils rentrent notamment en jeu dans ce qu'on appelle les mycorhizes, hein, ces associations bénéfiques entre la plante et le champignon, donc des associations du type symbiose. Ces mycorhizes sont extrêmement intéressantes pour nous, même si je pense quand même qu'au potager, sur des cultures très brèves, ces mycorhizes sont sans doute, disons, moins intéressantes quand même que dans des cultures plus ligneuses, hein, arborées, ou alors des massifs arbustifs, etc. Hein, je pense quand même qu'au potager, c'est plus la vie bactérienne qui va nous intéresser que ces mycorhizes, hein. Néanmoins, les champignons restent un élément extrêmement important, charnière vraiment dans notre sol, et il convient de les encourager, de les nourrir, et je pense que cette lignine pourra aussi contribuer à ça. Alors, on a réparti ce foin sur une épaisseur de 15 cm à peu près, donc je pense qu'avec une balle de foin, on réussira à faire correctement, 5 ou 6, 7 peut-être de nos encadrements, non, par rapport à... un peu l'impression que je fais tout seul, là. Allez, viens m'aider. J'arrive. Je termine quand même, donc juste 15 cm, l'idée c'est de priver évidemment les graines en dessous de lumière pour qu'elles ne puissent pas germer, les graines de mauvaises herbes, hein, bien entendu. And
know you wanna break your fall, but are you feeling anything at all? Everybody feels alone. Everybody's on their own. I wanna see the stars collide. I wanna see the burning sky inside you. Smile on your face, but you're bleeding from the inside out, and you'll never say what it's about. But I know, yeah, I know, yeah, I know that it's a lie that you never told me. Donc l'idée avec ce système, hein, évidemment, c'est de ne plus du tout avoir besoin de travailler le terrain par la suite. Ni le retourner, ni même l'aérer, ce sera toute cette faune, là, hein, en particulier les vers de terre qui vont faire le boulot. Donc même la grelinette, a priori, en tout cas on l'espère aujourd'hui, on oublie. I guess you sold me all the same. Voilà, ça c'est super, hein, on arrive à la fin, sur la 12e parcelle, et on s'aperçoit qu'on a peut-être un peu trop de foin, enfin un peu trop, il nous en reste, et c'est très bien, on va pouvoir s'assurer de, eh bien, d'avoir les 15 bons gros centimètres, un petit 20 centimètres finalement, voilà, de foin sur l'ensemble des parcelles. Ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est le... Je me rends bien compte de l'intérêt de mes ceintures de bois là que j'ai faites. Elles vont parfaitement retenir ce foin là où il est, en place. Et ça, c'est vraiment très bien, quoi. Bon voilà, hein, ça se termine. Finalement, je pense qu'on en aura assez avec une seule balle pour 12 encadrements, donc de 4 mètres sur 1,20 m, c'est-à-dire 4,8 mètres carrés par encadrement. Bah c'est tant mieux, si on en a assez, c'est très bien. On va quand même surveiller cet hiver, si vraiment ça se tasse un peu trop fort. Rien ne nous empêche de compléter, hein, par au-dessus, l'idée étant quand même d'avoir une couche suffisante. Pour vous parler un peu maintenant de ce qui pourrait être considéré comme des inconvénients à l'emploi de ce foin, c'est pas non plus une solution miracle, hein. Il y a quand même un certain nombre d'inconvénients. Alors, d'abord, il va falloir effectivement, au moment de semer notamment, ouvrir, hein, donc des lignes, découper ce foin de manière à pouvoir faire le semis en pleine terre dedans. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, eh bien, c'est vrai que ce matériau constitue un abri tout à fait apprécié d'un certain nombre de ravageurs. Alors, je pense aux campagnols en particulier, mais je crois qu'on n'est pas trop ennuyé dans la région avec les campagnols. Mais il y a également les limaces. Bon, je crois quand même que si on met tout ça dans la balance, ça penche du bon côté. Donc, on va traiter le problème des limaces. Et je crois d'ailleurs que ça fera peut-être l'objet d'une vidéo à part entière le moment venu, hein, là pour l'hiver de toute façon on sera tranquille. Et puis bien ma foi, quand les limaces se feront pressantes un petit peu, et puis curieuses un peu de parcourir nos parcelles, eh bien on interviendra voilà, comme il se doit, quoi, avec des méthodes bien évidemment naturelles. Bien, voilà, ça se termine donc, hein,
en train d'ajuster un petit peu là pour que ça reste bien dans les encadrements. Il nous reste encore un peu de foin là-bas, c'est très bien. On pourra compenser si besoin était toutefois cet hiver. Pour faire un peu le bilan, disons, économique de cette histoire-là, eh bien voilà, on a donc 12 encadrements en bois qui nous ont coûté au total environ 10 € l'encadrement, donc plus ou moins 120 € à 5-6 € près, c'est ça, hein, 120 € et 40 € donc pour cette balle de foin, ce qui fait un total de 160 €, eh bien pour nous préparer, disons, un très très bel outil, ce que je considère vraiment comme un bel outil, maintenant à nous de faire en sorte de l'exploiter au mieux cet outil. Ça, c'est pas gagné, hein. On a encore, je le disais en préambule, tout à apprendre, hein, donc on va s'y employer, hein. En tout cas, si on réussit pas, ce sera pas à cause du terrain ou des moyens qu'on aura mis en œuvre, hein. Ce sera plutôt parce qu'on n'a pas bien compris comment il fallait faire, quoi. Voilà, à suivre. Allez, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, et je vous dis à très bientôt au potager qui dit non.